Je pense Godoran Blade quand même dans cette lane. Nice font XD. On a contre Magif Lesix, on a Vladi. Ah la DK en face c'est un ETP Draven de base. Je sais pas s'il joue toujours Draven ou pas mais... C'est qu'il fait partie des joueurs de Draven au Hello. La 9 game Tristana. Le rang quoi nomide en face le Galio. Ah oui, 1637 LP. On fait de LP ça dit donc. Bon ouais, on va chill hein, la game pour le Chal, enfin pour récupérer le Chal. Il y a eu les petits changements sur Smolder juste avant. Ah, j'ai réussi à esquiver les deux bombes heal. Ils vont avoir le level 2 quand même. Ouais, je peux pas step in. Faut que je fasse gaffe parce que j'aimerais bien. En fait, j'ai envie de stack là. Mais j'ai peur de... me prendre une double bombe, du coup j'aurais bien aimé step in sur Zil et... aller lui mettre un petit Q. Mais s'il me met une double bombe et que je rate le dodge avec le flit, je vais le payer très cher. Et c'est bon, tape le caster frère. Eh oui, c'était pas le canon qu'il fallait prendre, ma Brojana. Le canon, je l'avais. Continue de stack au calme. Ah, ça m'a hit. Je peux être dans les casters ou pas que ça push trop vite. Ok, 14 stack, chilling, ça gank mid, Vladi est vivant. On a forcé beaucoup quand même. S'il te plaît, pars pas top, Janna. Je suis dans une giga sauce, tu pars top. Je l'ai vu qu'il se dirigeait vers la top lane, enfin top mid donc. Je vais aller Ward River. Oh vraiment? Grider frère. Je vais back hein. Il en est où ton livre les joueurs de Janna? En vrai là elle a pas... Enfin... Je la blâme pas vraiment pour le move là. Hein. Parce qu'en fait son move est bien mais... Le problème c'est que je peux pas trop commit moi. Parce que on peut très vite se faire turn, mais le move reste quand même un peu positif pour nous, je pense. Tristana a eu 100 gold de plus avec, avec le First Blood, mais on a pris des sumes. Je sais pas si on a pris de sumes en fait. Ouais, je sais pas si on a pris de sumes. Mais je pense que si je joue Pixel, elle survit, là, je prends double kill.
L'un ou l'autre, je pense pas qu'on puisse avoir les deux. Je pense que si elle meurt, j'ai double kill normalement. Elle me tue, hein. Yes, I'm triste. Yes. I'm smolder. I scale, my friend. C'est que si elle m'avait jumpé, elle m'aurait tué, hein, premier degré. Hein. Elle jouait le blade. Hi. Elle va-t-il contre moi parce que j'ai pas les dégâts pour traître sur Tristana, frère? Je peux rien y faire, hein. Je suis navré, mais... On kill plus Janna. Weak, early... S'il te plaît, frère, j'en peux plus. Elle a l'aggro de la tour. Ah, joueur de support. C'était mon power, j'ai perdu genre 15 CS, 2 plates. Je sais pas combien de stacks, on a juste fait un kill. Au mid. Pas plus de flash Tristana d'ailleurs. Je vais repush ça. Elle a son heal. Hein. Okay. Really cannot be left alone, please. Need scaling. If you leave me alone, I will never scale. Ben, frère. Maybe it's good no one else can understand her. Toi devant. Ok, pas si mal. Bon, Tristana a 3 free kills. Oh ouais, le premier est fine. Tous les deux autres qui sont pas normaux, on va dire. Je savais qu'elle allait faire ça, mais... Et Karim, non, pardon. J'aurais dû le ping plus tôt. Bon, elle peut... Ah, j'ai pas vu qu'elle avait Kraken, par contre. Elle peut jamais faire ça. Normalement, si elle a pas eu 3 free kills avant. Alors, les games de Smolder se ressemblent, ça me tilt. Hein. T'as quoi, c'est pareil. Je l'ai une bot, mon support griffe. Il meurt. Tilt parce que je joue Smolder et que j'ai plus ma mère en early. Roam. Je me retrouve Omega behind. Et après, je me fais abuse. C'est ça, en boucle, genre mes 10 dernières games de Smolder, c'est insupportable. Il
J'ai pas trop de solutions à part vraiment jouer Oméga Oméga safe, mais c'est super frustrant. Et on la bosse un peu. On a besoin d'aide hein, pour la tuer. Hein. Ah, c'est stylé, elle joue super bien, ça fait plaisir. Un joueur de Janna comme on les apprécie. Bon, je push ça. Au moins j'ai du frisky stacking. J'ai pris une plate aussi. Je commande ce soir à l'offrèche avec ton code Cheers. Merci beaucoup. Oh c'est gentil. Pff, on trace. Ah je mets 17 à Tristana, c'est déjà ça. T'essaies de faire un peu à chaque game pour expliquer comment jouer avec Smolder. En fait, je me dis pourquoi est-ce que les mecs ne comprennent pas quand. En fait, au début, les mecs comprenaient pas. Donc ça se passait pas de ouf. Puis après, les mecs jouaient bien, entre guillemets, avec Smolder, donc ça se passait bien. Et là, les gens, genre, ne recomprennent pas. Je suis perplexe. Même c'est que je leur dis quand ils le font, mais. T'es pas chiant de fou hein. Ok on récupère 2 kills, c'est déjà ça, je vais aller mid. Après y'a que moi qui suis behind, ma team est bien. J'ai pas non plus envie de faire la chialeuse en fait. Je pense que c'est ça qui m'énerve le plus premier degré. C'est de voir genre chialer dans le chat, ça me saoule. Et d'être là et de me dire putain mais... Genre qu'est-ce que je fais? Est-ce que je chiale parce que j'ai plus de chances de gagner si les mecs m'écoutent? Ou est-ce que je chiale pas et je subis tu... Et j'aime pas être une chialeuse en fait. En vrai de vrai, c'est surtout ça qui me dérange. Voilà, pour être totalement honnête. Parce que bon me faire abuse bot, on s'en bat les couilles, ça arrive toutes les games, je joue ADC, je m'y suis habitué. J'aime pas être le stéréotype de la... En fait, j'ai l'impression d'être le stéréotype de l'ADC. C'est-à-dire le mec qui est là, veut qu'on joue autour de lui. Et si on joue pas autour de lui, pète les couilles à tout le monde. Le problème c'est que... je pense que là c'est bien, tu vois. Autant de temps en temps je suis en mode bras, c'est pas grave et tout, fine. Et quand je joue Caitlyn Smolder, je pense que c'est très bien. Du coup je suis obligé de mettre dans le chat et j'ai juste l'impression d'être une chieuse. Ok, on est late en stacking, mais pas si mal que ça en vrai de rien. C'est ça qu'on regarde ton stream, parce que tu pleures pas et tu te plains pas. Ouais, mais justement, ouais. J'aime pas me plaindre en fait. Et j'ai l'impression que quand je joue Smolder, j'ai l'impression que je me plains quand même beaucoup. Enfin, c'est pas une impression, je me plains beaucoup et ça m'énerve. Ouais, on va faire des Lucies. On est quand même bien dans la game overall. Tristana est fed, mais elle a pas bien farmé. Le problème, c'est top par contre. Nice. Il faut que je reste mid pour hold. Je peux stack sur les ghouls de Yorick aussi, je crois.
Parfait ça. 12 HP la tourelle. Cleanse. Le gros de la tour. Il y a le Drake de up. Oui, collant. J'ai quand même go Shojin, je pense, cette game. Mais que contre du Lorenz, globalement. Shojin, c'est pas mal. Pourri j'ai ce bug, j'en conjure Riot. Le up sur Dieu sur Smolder est broken. Je suis à combien d'attaques là? 8? Ouais, c'est un bon up je pense. Pas non plus broken parce que le spell est loin d'être le sort de fou malade sur le champ, mais... mais c'est pas mal. Il a pas avoir dans le bush. Je peux pas gagner Tristana en 1v1. J'ai pas beaucoup d'infos, je suis obligé de lui laisser, ouais voilà, il y a Zilane dans le coin. Obligé de lui laisser le push. Yorick me fait peur dans la game, parce qu'il va perdre ma side. Boum. Oh oh. Pas du 3 stack là. Nice. C'est comment calculer le buff de vitesse du Smolder si tu multiplies pas ta MS par 2 et même sans les bots ça fait pas non plus. Bah si t'as 100% de move speed non? 330, bon, on va voir, je suis censé gagner 330 quand je veux. Hein. Pourquoi est-ce que j'aurais pas 330? Je vais check mais... on va voir, j'attends la fin du... des home guard. Si c'est bon ça. Il gagne 100% de move speed, c'est normal, comme toute la move speed du jeu. Toutes les stats de move speed du jeu augmentent ta move speed en fonction de ta move speed de base. Du coup, bah vu que j'ai 330 MS de base, quand je gagne 100% de 330, ça fait 330. En peu de temps, avoir qu'elle était aussi le HP. Les TP ou pas hein. Je vais pouvoir taper un peu. Ouh, fuis petit dragon. Il va me faire chier lui je sens. C'est sûr qu'il allait me faire chier. Hein.
Je le voyais venir, le père. T'as gagné 230. Bah non. Regarde, je suis à 408. Je vais monter à 778. Enfin, 385. Ah oui, mais parce que c'est dégressif, pardon. La mousse speed, c'est dégressif sur LOL aussi. Hein. Désolé, j'ai oublié de prendre ça. En gros, plus t'as de mousse speed, moins t'as de mousse speed. C'est le principe dégressif, mais j'ai oublié, désolé ce détail. Attends pour moi. Hop, 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 hop. Navori, hein. Je sais plus exactement comment ça fonctionne à partir de quand c'est dégressif et tout, mais c'est pour éviter que tu te retrouves avec des valeurs de mousse speed qui n'ont aucun sens. Désolé, désolé. Ok, je vais avoir l'exec. Oh, c'est bien le hub du E, hein. Z-le. Ah, oh, dommage. Je fais beaucoup plus d'auto là, déjà je suis à 10. Tu sais que Smolder s'est fait up, premier degré, hein. Je vais le cut, nice. Il a Sterak. Il va mourir, non? C'est vraiment très proche du set d'exec. Hein. Allez, on le chase. Bon, on en est de toute façon. Legendary. Tu as combien de pourcents d'exec là? Burn the target ding 6% max elf. Ok, donc avant c'était 6.5, c'est ça? Je suis un peu encore plus fort, no joke, hein. Un peu la flemme de faire une sec. Oh, il a chopé la go avec le dot. Stack bien sur les ghouls. Let's go! Challenger, me revoici! GG. Thank you for carry my bad early. Ok, ça, elle a pas de tilt. Chiche. On était contre le rank one ladder, en plus on a gagné beaucoup de points, non? On était jusqu'à combien en exec? Théoriquement 100%. Ça reste théorique, bien sûr. Vas-y, bien joué, je vous l'ai dit. Parce que ça a vu. Vénère qui met bot gap, ouais. 19 LP, bon, on a rien gagné du tout. Bot gap, mais je lui mets deux fois ses damage. Chiche. Oh, il a bien joué le bot, hein. Il a bien abusé sur les mises poses de Janna, il a pas eu peur et tout, il a go in. En vrai, je pense qu'il aurait vraiment pu nous double kill bot quand il a tué Janna et qu'il a jump out. S'il jump in, il me tue. Ouais, je vous le dis. Il me tue. Il le savait pas, mais tant mieux. C'est Janna qui met il proof. Ah, ça va, c'est gentil de sa part.